you, Jesus. Thank you, Jesus. There is a miracle that the Lord has prepared for you. Thank you, Jesus. And I will tell you, I will explain you why. Thank you, Jesus. You see, there are some years ago, behind, you helped somebody. Yes. And the Lord told me that because of what you did, He will answer our prayer. Amen. Thank you, Jesus. For you, and He will release your blessings. Thank you, Jesus. You understand me? Thank you, Jesus. Yes. We'll give you good health. And thank you, Jesus. There was a guy called Simon or Simon Ike, something like that. Ike Simon. Yes. Huh? Yes. Ike Simon. And you helped him. Yes. Where is he now? He's Simon. He's at Nigeria. He don't work back to Nigeria. He's there for Nigeria. Yes. The Lord told you that. No. Praise God. Hallelujah. People of God, praise God. Hallelujah. Si les francophones, si nous francophones, on pouvait apprendre à célébrer Dieu comme ça. On prophétise sur toi, tu regardes le prophète comme ça. Yes, vérité. Hein? C'est ça. Ça, c'est juste une information prophétique que je lui donne. Et il dit, louons le Seigneur, mes bien-aimés. Je n'ai jamais vu un francophone prophétique. Je lui dis, praise God, my brethren. Let us praise God. Je n'ai jamais vu ça. C'est des vétérans, des grands. Les doyens. Les doyens, les anciens. C'est ça, le malheur que nous avons. Oui, fils. Bonsoir, papa. Mm-hmm. Bonsoir, frère et soeur. Je bénis d'abord le Seigneur pour ce moment. Je rends vraiment grâce à Dieu pour... Je bénis vraiment le Seigneur pour ce moment et pour ce privilège. Je rends vraiment grâce à Dieu pour le travail que vous abattez et la vision grandiose que vous avez pour cette nation. Déjà là, moi, je ne suis pas homme de Dieu, mais je suis un enfant de Dieu qui a rencontré le Seigneur et qui a vraiment ce fervent désir de voir un grand changement dans la nation. Parce que tout comme... Vous l'avez déjà dit, moi je me suis rendu compte que le peuple de Dieu est vraiment méprisé. Et moi ça me fait tellement mal de voir un homme de Dieu tellement méprisé. Et quand je vois donc comment au Cameroun, en regardant un peu avec le background, les années antérieures, ce que vous faites aujourd'hui, c'est vraiment un grand réveil. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce que vous êtes en train de faire. Et je crois que le Seigneur est en train de susciter une génération de révolution dans cette nation. Donc je bénis vraiment Dieu pour la vision que vous avez. Vous avez parlé ici, et dans tout ce que vous avez dit, je résume cela dans le niveau de, en un seul mot, la connaissance. Je sais vraiment que la connaissance est une arme. Et nous mourons aussi pour faute de connaissance. Et ce problème que nous avons, c'est aussi parti du fait que nous avons grandi avec des hérésies, qui sont donc devenues des forteresses qui ne sont pas faciles à renverser. Et j'ai béni vraiment le Seigneur pour le courage que vous prenez et pour ce travail. Et je prie nuit et jour que, en plus de vous qui sont vraiment des géants, qui ont venu détruire ces barrières et que le Cameroun soit honoré avec, à travers les hommes de Dieu. Amen. Donc, vraiment, tout comme vous, j'ai cette même vision. Et si vous me permettez, déjà, je n'étais pas ici et j'ai eu la grâce de connaître le Seigneur hors du pays. Et c'est de là que j'ai compris que la véritable guerre, c'est au niveau de la connaissance. Mais maintenant, je me suis engagé dans ce domaine parce que, vu ce que le Seigneur a fait dans ma vie, j'ai un cœur brûlant pour l'œuvre de Dieu. J'ai un désir brûlant de voir le royaume de Dieu avancer. Quand vous prêchez, vous dites des choses qui sont déjà dans mon esprit. Quand vous voyez prêcher pour le succès, la réussite, l'élévation, c'est ce qui est dans mon esprit. C'est mon rêve, c'est mon désir. Je rêve de voir des hommes de Dieu qui ont des aéroports. Je rêve de voir des hommes de Dieu qui ont des jets. Que ce ne soit pas étrange. Donc, moi, j'ai pris cette initiative de m'investir dans la connaissance et... Entre-temps, j'ai eu un souci, j'ai été buté. Parce que
plusieurs fois avec des expériences divines qui m'ont vraiment convaincu que je suis appelé à soutenir l'œuvre de Dieu. J'ai donc été amené à faire certaines formations, toujours dans l'optique de soutenir la maison de Dieu. Mais à présent, papa, j'ai une doléance, c'est que j'ai besoin de ce soutien qui va me permettre de me relever. Parce que dans ma vision, c'est beaucoup plus dans le sens de ma maison en termes de développer les connaissances qui vont apporter et de soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, comme pour dire en un mot, papa, je voudrais vraiment, honnêtement, j'ai besoin d'un soutien dans l'optique d'apprendre, d'avancer. Parce que j'ai vraiment les idées et j'aime la connaissance. Mais je suis bloqué au niveau des finances, sincèrement. Donc, et si vous vous souvenez, je suis celui dont la dernière fois vous avez parlé et vous m'avez demandé que je devais vous rencontrer. Et j'attends toujours de vous, papa. D'accord, on va se voir, il n'y a pas de problème. On se verra et puis on va parler. Amen. Amen. Oui. Bonsoir, papa. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Je vais être un peu plus bref, papa. Merci. Je remercie Dieu, l'Éternel, pour cette occasion qui m'a permis ce soir. Papa, je voulais vous poser la question par rapport au prophétique. Quand vous voyez généralement prophétiser, c'est comme si, donc, apparemment, c'est comme si vous étiez en train de lire quelque chose. Comment, quelle est la formule? Comment faire pour entrer? Non, non, ne riez pas, bien aimé. Yes, yes. Donc, vous, c'est un peu comme, c'est comme si vous étiez en train de lire ça quelque part. Donc, papa, là, je voulais vous demander comment faire pour entrer en profondeur? Quelle est la formule vraiment? Parce que quand la personne veut un peu hésiter, vous le rappelez les noms. Des noms, mais aujourd'hui j'étais un peu scandalisé. Que vous avez donné un nom d'une personne avec qui il y a une relation depuis le Koumouan 1. Donc, Koumouan 2. C'est un peu étonnant. Donc, quand la personne sort un peu dans le prophétique, vous la ramenez. Quelle est vraiment la formule? Vous la rappelez, même le numéro de téléphone. Donc c'est un peu impressionnant, papa. Et aussi, la deuxième chose, c'est que papa, la fois d'ailleurs, quand j'étais ici en 2019, après le programme, j'étais plus bas là-bas dans la brousse. J'ai eu un songe comment j'étais en train de pêcher des poissons. C'était un peu un songe, c'était une vision en principe. J'étais sur la grotte en train de prier. J'ai eu comme un flash. Donc je pêchais les poissons dans une petite pluie et je remplissais la maison des poissons. J'ai ramassé avec les mains, tellement il y avait l'abondance, j'ai ramassé les poissons, j'ai remplissé la maison. Et bien après, je me suis trouvé avec une jeune demoiselle qui était en train de pêcher les poissons également à deux. Et après, la chose, j'ai sursauté. Et j'aimerais aussi, papa, qu'on m'explique un peu par rapport à ce fait. Dieu. Vous êtes célibataire. Oui. Il a dit que Dieu a pourvu une femme pour vous, pour le ministère. Ouais, sa vision me montre qu'il est célibataire. Pour celui qui a l'esprit de vision, ouais. Je vois, quand il parle, vous comprenez qu'en fait, il voit une jeune femme qui lui apparaît tout. Pour celui qui a la sagesse des filles d'Issacar, il comprend que le bien-aimé est célibataire et que Dieu lui montre qu'il aura un grand ministère. Il y aura une femme que Dieu a pourvue qui sera un grand soutien dans son ministère. Là, c'est une profession. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, thank you. Je rends grâce à Dieu. Mais ça ne donne pas. C'est pas la même chose. La formule, la formule, la formule. La formule. Amen. Amen. Bon, assez concernant la formule, lors la dernière conférence des hommes de Dieu, j'ai donné tout ça. C'est ça, non? Bah, j'ai enseigné sur les sciences prophétiques. Donc, allez sur ma page Facebook ou YouTube. Regardez le thème, les sciences prophétiques à la bire. Vraiment, suivez ça attentivement et vous aurez. Parce que s'il faut encore reparler de ça maintenant, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, dedans, j'ai essayé d'expliquer l'arbre généalogique des prophètes. Je l'ai expliqué, j'ai parlé de Rohe, de Hosea et de Nebi. Et j'ai expliqué que les Rohe
Les rois, c'est les spécialistes des... Eux, ils sont spécialisés dans la vie des gens. Vous comprenez? Les rois, eux, ils voient les secrets des cœurs. Un peu comme Samuel, c'est... Et j'ai dit que dans l'arbre généalogique des rois, Samuel en est le patriarche. Qu'est-ce qu'on a vu, non? Voilà, il dit à Saül, viens, je te dirai les secrets de ton cœur. Ça, c'est un rohé. Est-ce que mon esprit n'était pas avec toi lorsque cet homme est descendu de son char et que tu as pris les habits et l'argent et qu'il t'a envoyé avec deux serviteurs au carrefour Manguier? Tu as dit que ok, partez. Tu as pris un taxi. L'immatriculation, c'était CE022IT. Et tu es parti chez toi. Ça, c'est les rohés. Et j'ai expliqué que les rohés fonctionnent avec ce qu'on appelle les visions de l'esprit. Et ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Parce que c'est vrai, quand vous m'observez prophétiser, parfois, je me perds. J'oublie que je suis en public, j'écoute. Je marque un arrêt pour écouter. Donc, je peux écouter, je peux voir, je peux ressentir. J'aime ça les rohés. Maintenant, les rohés, eux, c'est les gens des visions ouvertes et des prophéties eschatologiques. Ce sont ceux qui ont la capacité et le don et la grâce d'aller au ciel, voir les choses et revenir nous dire. L'apôtre Jean dit, « Egenomen en pneumati, en te curia que emera. » Et je fus transporté dans l'esprit jusqu'au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme celle d'une trompette. Il dit, je fus transporté par l'esprit. Et l'apôtre Paul dit la même chose. Il dit, arpagenta en pneumati. Je fus enlevé ou ravi par l'esprit. Arpagenta, c'est un peu plus brutal que egenomen. Egenomen, en grec, c'est le voyage normal. Mais arpagenta, c'est un enlèvement. On enlève comme on enlève un enfant ou quelqu'un. C'est-à-dire que Dieu envoie un char de feu avec des anges. On enlève Paul, il disparaît, on ne le voit plus, il monte au ciel. Et ça, vous comprenez? Donc, comme pour dire que... Bon, mais le Nébi, c'est le prophète des nations. Il donne des messages à l'Éternel, des jugements, des prophéties messianiques, etc., etc. Donc, allez dans l'enseignement avec vous. Bon, maintenant, ma mère m'a demandé un jour que mon fils, dis-moi la vérité. Quand tu dis que je vois là, tu vois ça où? Maintenant, pour voir, c'est les visions de l'esprit. C'est ce que j'appelle les visions internes. Donc, je peux rester là, je ne vois pas comme la télé. Mais dans mon esprit, je vois ta maison. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a ce qu'on appelle le principe de détail dans les lois prophétiques. Est-ce que vous comprenez? Je peux voir ta maison et je dis que ta maison est blanche. Et la porte est blanche aussi. Et sur ta table, j'ai vu un bouquet de fleurs. Est-ce que vous comprenez? Et je demande, est-ce que c'est ta maison? Il dit, oui, c'est ma maison. Mais dans le principe de détail, la Bible dit tout est à vous. Je ferai un peu plus d'efforts, plus d'attention dans le voyage, dans l'esprit, pour lire les détails de ta maison. Donc je dirais que ta maison est blanche. Oui, le toit est rouge. Oui, il y a trois fenêtres sur la façade et derrière il y a quatre fenêtres. Là maintenant je m'appuie sur les détails. Dans l'esprit, je ne vois pas les gros plans. Je cherche les détails. Sur ta table, il y a un pot de fleurs. Ta table, c'est comme un guéridon en bois, mais il y a une vitre. Il y a une nappe tissée vert ou jaune. Oui, et il y a un pot de fleurs. C'est orange. Il y a des fleurs artificielles dessus. Il y a des fleurs jaunes, rouges et bleues. C'est ça? Oui. D'accord. Il y a un couloir et à gauche, il y a la cuisine. Dans la cuisine, il y a un frigo. La marque de frigo, c'est Kenzo. Et c'est vous voyez. Là, c'est la loi des détails. Le même prophète, ça dit que si tu peux dire à quelqu'un, voilà ta maison comme ça, ta maison blanche, avec la porte blanche, et sur la table, il y a un pot de fleurs,
tu peux tout voir. Mais c'est parce que tu ne veux pas t'appliquer. Tu es rapide, tu donnes juste... Non. Le même esprit qui t'a montré le pot de fleurs peut te dire combien de chambres il y a, combien de lits, combien de places à le lit, combien de draps il y a. Peut t'amener dans la cuisine, voir le nombre de marmites, le nombre de cuillères, le nombre de fourchettes, ce qu'il y a dans le frigo, exactement. C'est le même esprit. C'est la loi des détails. Est-ce que vous comprenez? Donc parfois quand nous prophétisons, donnons de l'attention pour chercher les détails. Parce que tout ce que tu demandes, Dieu t'accorde ça. Puis c'est ta fonction en fait. C'est tes avantages de service. Mais comme on ne connaît pas ça, on est limité. Et puis le don prophétique, le ministère prophétique ne fonctionne pas avec le doute. C'est pour ça que pour opérer dans le ministère des prophètes, il faut d'abord avoir le don de foi, pas la foi. Parce que la foi est limitée. Mais le don de foi est parfait. Par exemple, je le vois, je ne le connais pas. Je n'ai jamais causé avec lui. Il vient de Batouri. Et je vois quelqu'un écrit Ike Simon. Je lui parle, je n'ai pas peur. C'est un jeu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le numéro de téléphone, avec pour moi, c'est l'une des choses les plus faciles. C'est l'une de mes matières de base. En ce qui concerne prophétique. Mais j'ai beaucoup prié. Je pense à ce soir. Oui, j'ai beaucoup prié pour ça. Vous comprenez? Le premier prophète que j'ai vu qui donne le numéro de téléphone, c'est le Kim prophète. Le prophète ayant Ayouk Joseph. J'avais organisé une nuit de prière chez lui. Ma nuit de prière, hein. Je lui ai donné la parole. Le gars prophétisait encore plus que moi. C'est-à-dire que moi qui suis le prophète qui a invité les gens, il dit à une maman, il dit, qui a le numéro de téléphone 600, tant, 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 tant. La maman dit, moi, elle vient. Il dit, c'est qui comme Ngomé? La maman dit, c'est mon nom. La maman dit, hey! Elle a enlevé 10 000, elle a donné. Elle n'avait jamais de l'offrande de 10 000 dans notre vie. La prophétie a sorti 10 000. Donc, mes yeux ont suivi les 10 000. Mais, il prend une photo, il regarde, il dit, est-ce qu'il y a un nom ici? Non. Il dit, l'homme s'appelle Dieudonné. La femme dit, oui, c'est mon mari. Moi, que les gens sont venus suivre. Les gens étaient pleins jusqu'au goudron. J'ai oublié qu'on me regarde. Il dit, oh Dieu, Seigneur, il veut ma part, donne-moi aussi. Donc les gens se disaient, mais tu sais même comment. Nous, on le suit. Lui est en train de crier qu'il veut pour quelqu'un d'autre. Pourtant, c'est pour lui qui nous a amenés. Moi, je m'en foutais. Pas de jalousie dans mon cœur. Amen. Amen. C'est aussi pour ça que Dieu m'a fait grâce. Il ne faut pas être jaloux du don de Dieu dans la vie d'autrui. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est important. Donc, le prophétique, c'est une passion. Pour moi, c'est une réelle passion. Mais maintenant, dans le prophétique, vous devez comprendre une chose. La prophétie nominative, par exemple, qui joue sur les noms de personnes, de lieux et de choses. Il y a la révélation sans information. Est-ce que vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle la prophétie historique. C'est la prophétie historique qui fait la prophétie. C'est le tissu du prophétique. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un, vous ne comprenez pas, hein? Ok. Quelqu'un peut avoir la prophétie, il maîtrise la prophétie nominale, mais il n'a pas la prophétie historique. Et puis, bon, ce n'est pas passionnant. La prophétie nominale, c'est quoi? C'est que je peux te voir, je dis que okay, ton nom, c'est tel. Tu dis oui, c'est mon nom. Je dis que ton père s'appelle comme ça, tu dis oui. Je dis que Mariam, c'est qui? Tu dis c'est ma mère. Isaac, c'est qui? C'est mon frère. Nounou, c'est qui? C'est ma soeur. D'accord, Dieu va te bénir. Amen. 2022 qui vient ici, Dieu a dit qu'il va te bénir. Amen. En fait, c'est la prophétie nominale, mais qui manque de prophétie historique. Vous comprenez? La prophétie historique te raconte l'histoire de ta vie ou un événement avec détail. Lisez 1 Samuel 9, 1 Samuel 10. La prophétie historique te dit, par exemple, elle te raconte une histoire de ta vie. Et c'est ça qui donne la beauté au prophétique. Donner le nom des gens
Elle dit, Dieu va te guérir, la personne malade. Dieu va la guérir. En fait, c'est trop léger. Mm-hmm. En fait, c'est puissant, mais c'est insuffisant. Mais, dis à quelqu'un, comme je me souviens d'une prophétie, une jeune fille, ok, tu avais un homme qu'on appelait Atangana. C'est ça. Atangana avait une copine avant que tu ne sois avec Georges. Elle dit oui, on a même invité une fois avec. Elle dit avec Georges une fois. Mm-hmm. Ok. Atangana t'a invité dans un bar qu'on appelait Kulouba. Mm-hmm. Elle dit oui, c'est au centre, au carrefour. Où j'étais assis à la véranda. C'était une table blanche avec cinq chaises. Mais Atangana avait son ami qu'on appelait Ghislain, qui était venu avec sa copine qu'on appelait Mami. Elle dit que oui, il est son ami intime. Et toi, vous vous êtes venu après, vous aviez une jupe noire avec les ballerines blanches, avec un tricot, avec une photo comme ça. Elle dit oui. Quand vous avez causé, vous avez bu, vous c'était la 33. Lui 33, l'autre c'était Grenadine, l'autre c'était Gino. Vous comprenez? Et elle dit oui. Précision. Quand vous avez fini de boire à Tangana, vous a dit, rends-toi à la maison. Vous lui avez dit, non, je ne peux pas. Tu sais que vraiment, oh, je t'aime même beaucoup, beaucoup. Comme je suis venu là, passer les travaux à la maison. Et vous avez mis 3000. Vous avez pris le 3000. Vous avez pris un Benskin. Et le gars s'appelait Dieudonné. Quand vous êtes monté sur la moto, vous arrivez au carrefour, vous lui avez dit, non, ne me ramène pas à la maison. Passe plutôt comme ça. Et vous êtes allé au quartier, qui n'est pas votre quartier. Et vous êtes arrivé chez votre copain, qu'on appelait Wanji. Avant que vous n'entrez dans la chambre, il avait déjà sauté, il vous déshabillait déjà. La fille a baissé la tête. C'est ça qu'on appelle la prophétie historique. Elle est consistante. Elle raconte une histoire. Pour moi, la prophétie nominale n'est pas suffisante. C'est-à-dire que donner les noms des gens, vraiment c'est impressionnant, c'est une grâce. Nous bénissons Dieu. Mais raconter l'histoire, des épisodes entiers de la vie, des épisodes entiers, on dit un épisode, des épisodes entiers de la vie de quelqu'un, c'est ça qui rend le prophétique passionnant. Est-ce que vous comprenez? Donc, la prophétie historique, maintenant, le voyage dans l'esprit, vous mettez le voyage dans l'esprit à l'intérieur, vous mettez la prophétie topographique ou bien le baromètre prophétique. Dans tous les cas, c'est plusieurs matières qu'on peut mettre. Les mathématiques prophétiques, c'est la partie de la prophétie qui a à voir avec les chiffres, la maîtrise des chiffres. Vous voyez le numéro de téléphone, le nombre de personnes dans une famille, le nombre de QL, le nombre de ceci ou cela. Donc tout ce qui a chiffres là. Donc, ça fait que quelqu'un peut être fort dans la prophétie nominale, mais sans être fort dans le voyage dans l'esprit. Or, moi, je crois en la polyvalence prophétique. Il ouais, faut être polyvalent. Et je vous répète encore que quand vous prophétisez, faites l'effort de regarder bien avant de parler. Amen. Ne vois pas seulement la maison. Tu peux faire une marche arrière, tu regardes un peu le toit. Si tu veux regarder le toit, l'esprit te montrera le toit. C'est parce que tu ne veux pas guider ton esprit quand tu prophétises. Hein? Hein? Tu peux dire à quelqu'un, ok, je te vois avec un garçon qu'on appelle Angola. Vous êtes allé boire dans un bar. Elle te dit, c'est vrai. Mais moi, je vais venir prophétiser comme toi. Je vais dire, je t'ai vu avec un gars qu'on appelle Angola. Oui, il est brun. Oui, il faisait environ 1m70. C'est la même prophétie qu'elle prend, mais moi, je mets l'accent sur les détails. Quand vous avez croisé, il avait un jean et un haut Nike, avec la virgule ici, avec les tennis, là, c'est Puma. Elle avait dit oui. Vous êtes allé dans un bar qu'on appelait Kalakala Bar. Elle dit, eh yeah, oui. Et il y avait deux servants, une fille et un garçon. La fille s'appelait Jeanne et le garçon s'appelait Nico. Elle dit oui, c'est Nico qui vous a... Donc, tout ça, c'est ta même prophétie que toi, tu as seulement dit que tu as un copain Angola, vous êtes allé boire dans un bar, il t'a dragué là-bas. Mais moi, je vais donner l'accent sur les détails. Et le Saint-Esprit va montrer tout ce que je veux voir. C'est ça qui fait la différence. Oui, fils. Merci.
Amen. Laissez-moi vous faire une confidence. Vous allez remarquer qu'il est difficile pour moi quand je sors de prophétiser dans une église. C'est rare. C'est rare. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle le respect des territoires. Il y a un de mes fils qui m'a invité à prophétiser chez lui. Avec des projets. Il m'a dit, papa, prophétiser comme arrêt majeur. Je ne peux pas. Je vais vider ton église. C'est ça la réalité. Les gens vont disparaître chez toi pour apparaître chez moi. Donc, je préfère que quelqu'un de la prophétie vienne dans mon ajout. Je te traumatise. Shalom papa. Bonsoir peuple de Dieu. Je suis vraiment joyeux et ému de tout ce que j'écoute. En fait, papa me surprend chaque jour. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il soit mon père. Mais j'ai un souci. Papa, je suis dans le ministère, j'ai engagé un ministère. Et chaque fois que je monte en nombre, il y a des témoignages, il y a tellement de témoignages. Mais des personnes qui viennent ne sont pas reconnaissantes. Ça veut dire que quelqu'un peut guérir du VIH et puis je ne vois plus. Donc les personnes viennent guérir, mais après ils partent. Au point où même la salle actuellement, on m'a porté plainte. Donc il n'y a personne pour s'engager pour les choses de Dieu. Je fais tout seul. Alors j'ai des questions. Moi-même, je vais la prophétie. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas la prophétie, mais c'est le secret du ministère. La prophétie ne te sera d'aucune utilité. Mais si tu appliques les lois que je t'enseigne, tu seras puissant. Faire le ministère, tu le fais comment? Votre culte commence à quelle heure? Le mercredi, on commence à 16h pour finir à 18h30. Okay. Même que les vendredis. Le dimanche, 9h midi. Et comme nous sommes là, on avait un problème de salle, on était là-bas tout le temps. Et le bailleur là-bas, dès qu'il a vu l'argent, on a donné 7 mois. Il était pressé de prendre l'argent et ce n'était pas lui le responsable. Son grand frère est venu nous menacer, il nous a fait partir. Donc nous sommes maintenant allés à Éleveur, à l'antéministre. Et là-bas, c'est un quartier résidentiel. Donc nous faisons culte dans la maison. Et on est obligé de commencer à 16h pour finir à 18h. Vous êtes un homme de combien? Parfois on atteint 50, parfois 60, parfois 4. Oui. C'est vraiment quand on fait les programmes qu'ils sont nombreux. Oui, donc il faut donc faire les programmes. Il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. L'église est comme un repas dans une marmite. Quand ta marmite se refroidit, le repas n'est plus bon. Vous allez remarquer que je fais les cultes tous les jours, sauf samedi. Et les dons spirituels s'exercent. Même un soldat qui ne tire pas et qui va justement à la guerre, on va le massacrer. Un footballeur qui ne s'entraîne pas va perdre son esquisse. Et vous comprenez? L'église doit être vivante. Maintenant, il y a des lois qu'il faut maîtriser, les lois de la communication, les lois du temps. Il ne faut pas faire des cultes trop longs. Il y a des ingrédients qui doivent être dans vos cultes. Enseignement d'abord. Il faut donner une parole consistante qui révolutionne les gens. Deuxièmement, il faut être capable de guérir les malades. Il faut être capable de prophétiser, manifester les dons de l'esprit, manifester la puissance de Dieu pour convaincre les gens de votre évangile. Paul dit que mon évangile n'était pas basé sur des discours persuasifs qu'enseigne la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de force. Donc, il y a l'évangile et il doit être accompagné d'une démonstration d'esprit et de force. C'est ça qui fait que les gens vous suivent. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé sur l'île de Malte et que les gens les ont vus, le serpent l'a mordu et il l'a balancé dans le feu. Et les gens ont dit, ah, c'est un pécheur, c'est un pécheur. C'est sûr que le gars là, il est condamné comme ça, là, c'est un méchant, c'est un meurtrier. Donc la justice, la nature même l'a rattrapé avant d'arriver même en prison.
Quand ils ont vu que le gars ne mourait pas, au contraire, le venin de la vipère s'est transformé en vitamine B complexe en lui. Ils ont dit que c'est un dieu. C'est un dieu. Ils les ont portés pour les vénérer. Paul disait, non, 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 s'il vous plaît, je suis un homme normal. On est des hommes normaux. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Les gars, ne croyez pas en ça. Ils les ont pris. Ils les ont honorés. On leur a donné une maison de qualité, la nourriture de qualité. Ça montre qu'on ne peut pas te suivre tant que le surnaturel ne se révèle pas en toi. Mais si on t'aime comment? Mes amis, cherchons l'onction. L'onction, c'est la clé. Et le caractère maintenant. Parce que l'onction attire. Le caractère maintient. Tu peux avoir l'onction. Mais si tu es un homme de Dieu immature, les gens vont te fuir. Si tu es un mauvais gestionnaire du patrimoine humain, les gens vont te fuir. Il y a les gens ouins parmi nous, mais qui ne civilisent pas leur caractère. Supposons que tu es un homme de Dieu, tu es marié, tu grondes ta femme devant les gens. Les gens comprendront que tu es un vaurien. Tu n'es pas quelqu'un de sérieux. On va te fuir. Est-ce que vous comprenez? Donc la maturité à gérer les hommes, c'est important aussi. L'onction ne suffit pas. Le caractère est important. Si par exemple tu es un homme de Dieu, tu couches avec tes filles, sache que la rumeur va se répandre. Et la mauvaise réputation va détruire ton ministère de l'intérieur. Ce n'est pas l'ennemi de l'extérieur. Ce sera toi-même ton propre ennemi. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand on est un homme de Dieu. Il faut respecter le rôle de nos jours. Oui. Tu n'as pas déjà parlé? Ok. Oui, peut-être. Bonsoir, après ça. Oui, après ça. C'est quelle heure? Il est quelle heure? Oui, après, on prend une dernière question là-bas. Bonsoir, frère. Bonsoir. Bonsoir, frère. Après, j'ai un problème depuis fort longtemps, je cherche à vous parler. Et parce que je persévérais quelque part avec maman. Et un jour, c'était 2018. J'étais à la maison, maman est arrivée, elle me dit, comme tu vois là, il y a un homme de Dieu qui va organiser un programme au palais des congrès, c'est un culte familial, il faudrait qu'on parte. Tout le monde. J'ai dit, maman, s'il te plaît, laisse-moi pas avec les hommes de Dieu là. Laisse-moi un peu, même pas avec ça là-bas. Moi, je suis quelque part, je prie. Elle est partie. Deux semaines plus tard, j'étais à la maison samedi, je ne travaillais pas, j'étais allongé sur le canapé et je dormais. Quand je dormais, je fais un songe. Je me retrouve dans l'une de vos églises. Je ne sais pas où c'était Tom Key, où c'était Ebogo, parce que c'est le même décor. Et j'étais placé, il y avait autour 5 à 6 personnes. Et j'étais placé. Du coup, dans la vision, je me retrouve seul. Je suis à genoux devant vous. Quand je suis à genoux devant vous, vous avez déjà enlevé la veste. Vous avez un pantalon gris, chemise blanche, une paire noire aux pieds. Et il y a un pasteur qui venait avec l'huile. Vous avez pris l'huile pour verser sur moi. Quand vous avez pris l'huile pour verser sur moi, je me suis réveillé. Quand je me réveille, je regarde la télé. Je vois la chaîne qui est en train de passer. Quand je demande à ma fiancée, elle me dit qu'elle est en train de zapper, elle a vu la chaîne, elle s'est arrêtée. Et je vois la même personne que j'ai vue dans le songe, dans le rêve en fait. Et je regarde l'endroit, je vois le même endroit, je dis mais... Et fort longtemps, je cherche à vous rencontrer. C'est comme ça, j'appelle maman, j'appelle tout le monde, on décide de venir au palais des congrès. C'était un 28, je crois, le 28 novembre 2018. Nous sommes arrivés et depuis que je suis arrivé là-bas en 2018, les semaines qui suivaient, décembre, j'ai commencé à adorer. Donc un esprit envers moi, j'ai commencé à aimer l'adoration. Et pendant que j'adorais, j'arrivais comme ça au d'où je travaillais. J'étais un chef de parking à Immeuble Rose. Quand mes collègues commencent à travailler, moi je mets mes écouteurs aux oreilles, je commence à adorer pendant 2-3 heures de temps. Et chaque fois comme ça, pendant 3 semaines, un jour j'étais en train d'adorer, pendant que j'adorais, tout en noirci devant moi et j'ai suivi une voix qui me parle, qui me dit, moi je t'ai choisi, tu dois me servir. Et en toi, je mets un message caché que tu vas annoncer. Et c'est comme ça depuis là, je cherche à vous rencontrer, papa, je ne parviens pas parce que je suis perplexe. Un moment, j'ai commencé à chercher, le diable m'a caché d'abord l'église de Tom Key. J'ai cherché Tom Key, je n'ai pas vu. J'ai cherché Tom Key, je n'ai pas vu au point où j'ai décidé même de voyager. J'ai voyagé, je suis arrivé jusqu'à presque au Maroc. Quand j'arrive au Maroc, on nous arrête. Au moment de rentrer, le commandant de la gendarmerie
qui nous avait arrêtés, on l'appelait Boyka. Et comme moi, j'étais vraiment baraqué, et moi aussi, on m'appelait Boyka. Il m'a aimé. Il me met ici, il m'a mis à côté du bus où il y a la fenêtre où je peux sauter et fuir. Il me dit, Boyka, quand tu arrives au désert, saute, prends ma carte. Tu arrives, je vais te loger. Après, on va faire, tu vas partir, tu vas voyager, tu vas avancer. Et quand il me dit ça, quand le bus avançait, pendant que le bus avançait, je suis une voix qui me dit que, regarde ton voyage dès le départ jusqu'ici. Tout était facile pour toi. Si je voulais que tu arrives, tu serais arrivé. Mais ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Tu vas faire le monde entier, mais ce n'est pas comme ça. Comme ça, je rentre. Et je suis rentré comme ça, papa. Je suis un peu troublé. Et hier, vous avez annoncé, vous avez dit, vous avez enseigné, vous avez dit, un homme de Dieu qui n'a pas vu Dieu, c'est qui n'a pas été appelé. Donc, je suis troublé à ça. Mais tu as entendu la voix, tu as parlé, c'est important. On va, la vision va s'accomplir le matin. Et puis, je vais vous joindre. Et je mets lui sur ta tête. Oui, la main de Dieu sur toi, ça c'est clair. Beaucoup de courage. Bienvenue. Bienvenue dans les problèmes. Dans le monde des problèmes. Maintenant, il est comme ça, il n'a aucun problème, non? Il est l'ami de tout le monde. Dès que sa prophétie, Dieu va commencer à l'accomplir. Les ennemis, c'est un sorcier. Il a trempé. Sois prêt. Bientôt, on va te déjà tremper. Ils sont ensemble. Papa, je suis prêt. Papa, papa, j'ai un dernier. Le dernier, papa. Papa, j'ai un dernier, toi. Non, le matin. Ok. Oui, le dernier. Le dernier. Les gens, le derrière. Bonsoir, mon papa. Moi, j'aime. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai enfin le courage de vous parler. Parce que quand je vous vois, j'ai toujours peur. Je suis. Je ne sais pas pourquoi. Il y a cette peur-là. On m'a déjà. Papa, j'évite le baptême. Bon, j'évite beaucoup le baptême parce que on ne m'a pas. Je n'ai pas toujours bien compris le baptême. Et Chez les protestants, généralement, le baptême en fait, en général. Chez les protestants, généralement, il y a ce qu'on appelle la catéchèse. Je pense chez les protestants, chez les catholiques, la catéchèse ou la doctrine. On apprend d'abord avant de se baptiser. Et je vois chez les catholiques, parfois on baptise les enfants étant bébés. Et on m'a déjà forcé chaque fois à prendre le baptême dans les églises où j'ai essayé de parcourir. Je n'ai pas encore reçu le baptême et je me demande si pour recevoir son baptême, il y a d'abord un enseignement vraiment à apprendre avant de recevoir le baptême ou on reçoit le baptême lorsque on est disposé ou bien on reçoit le baptême lorsque peut-être on a un père qui est prêt parce que je pense bien que le baptême, il y a souvent un père qui est prêt à nous suivre. S'il y a un père vraiment disposé à nous suivre de telle façon que si on faillit, parce que je faillis beaucoup et je ne veux plus que ça arrive et je ne veux pas m'engager, je connais l'alliance du baptême. C'est pourquoi j'évite de faire un truc qui va me rattraper devant. Donc je ne sais pas s'il y a il faut un père derrière qui va nous soutenir de telle façon que si on dérape, il va continuer à nous mettre sur la voie comme il le faut. Et j'aimerais savoir avant de m'engager dans le baptême. Bon, c'est que si tu renvoies la mort peut venir avant que tu ne te baptises. Oui, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est dire, désormais, je veux suivre Jésus. Et le baptême est tellement important pour le croyant que chacun devrait le faire le plus tôt possible. C'est un peu comme la circoncision à l'époque chez les Juifs. Le baptême, c'est un engagement à trois niveaux avec Jésus. La mort, l'ensevelissement et la résurrection pour marcher en nouveauté de vie avec Christ. Et quand Jésus dit, si quelqu'un, celui qui me confessera devant, celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père, devant les saints anges. Et celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux, devant les saints anges. Il parle du baptême, et de la confession ouverte, de l'engagement ouvert. Parce que le baptême, c'est l'engagement ouvert qui devient chrétien. Désormais, je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à la famille de Christ. Désormais, je vis pour Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, la catéchèse, ce n'est pas une mauvaise chose. D'enseigner d'abord les gens sur le baptême et tout. Mais, bibliquement, on ne faisait pas ça. Tu confessais tes péchés et tu entrais dans les eaux du baptême.
C'est ton engagement avec Dieu. Après, tu te débrouilles. Oui, après, tu te débrouilles à mener ta vie de sanctification. Parce que c'est ta croix que tu portes. Quelqu'un ne veut pas te le... Moi-même, je m'appelle mon ami. Parfois aussi, moi-même, mon dos, il y a les cicatrices même que la croix laisse. Donc, chacun doit porter sa croix. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit. Hein? Donc maintenant, si c'est chaud, tu cries vers celui qui t'a appelé. Tu dis que c'est un peu mauvais. Et vous devez savoir qu'en ce qui concerne la croix, suivre Jésus, nous les Africains, on a une alliance avec Dieu. À travers Simon le Cyrène, qui a aidé Jésus à porter sa croix. Donc, il faut lui rappeler de temps en temps que tu sais que nous, on t'avait aidé. Donc, c'est un peu mauvais, là. Aide-moi aussi. Donc, c'est des alliances que nos parents ont faites pour nous. Quand ça ne va pas, tu lui dis que je porte moi-même 1 km, 2 km, je vais récupérer ça devant. Non, c'est un peu ça. Amen. Amen. Mes amis, si on reste là, on va rester jusqu'au baptême. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Prions. Père, merci pour ta grâce. Merci. Que ta gloire soit restaurée dans ton église. Amen. Que la honte quitte tes serviteurs dans cette nation. Amen. Seigneur, rends-nous prospères. Amen. Rends-nous puissants. Amen. En parole et en œuvre. Amen. Que 2022 soit une année de grâce. Amen. Une année de relèvement. Amen. Une année où nous marquerons l'histoire de ce pays. Amen. Père, je déclare au nom de Jésus, yes, que aucun de nous n'échouera. Amen. Mais chacun deviendra un héros. Amen. Chacun pulvérisera des grands records. Amen. Les puissances qui nous ont résisté en descendant de cette montagne, nous les terrassons. Amen. Nous les terrassons. Amen. Les forteresses de nos vies, les forteresses de nos ministères. Amen. Seigneur, deviens notre marche-pied. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Qu'une huile fraîche repose dans nos vies. Amen. Au nom du Père. Amen. Au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Dis amen trois fois, je sais. Amen. 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 Regroupement. Regroupement, on va dire, il a quel âge là-bas? 23 ans, 21 ans. Oui, regroupement déjà.